It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. On arrive au théâtre d'Aspendos, on va visiter sous le soleil puisque il est à peu près midi. Moi je dis que visiter Aspendos à midi, c'est velu. Ouais, c'est fabuleux, on n'a jamais vu un théâtre comme ça. Il n'y a pas grand chose à dire. À part bravo à ceux qui l'ont conçu. Et le... Oh là là, le mur de scène. Enfin, je suis à contre-jour, mais quand même. Qu'en dites-vous? On est bien là? Avec une jolie chaîne de montagnes. D'où on arrive là-bas? Dans la direction de Cogna. On a amené des palettes de pierre là, qui sont à installer. Elles sont bien rangées, bien classées, mais c'est trop tentant de les remonter quand même, de savoir où ça va et de les remettre, faire le puzzle, mais ils n'ont pas le temps. Ou alors pas les moyens, c'est dommage. On est au niveau du cimetière mural. Le Héroïon, c'est le vrai nom, hein, de Sagalassos. Donc monument dédié aux héros. C'est assez rare dans le monde antique. Il y en a quelques-uns sur le côté là, mais j'y suis pas moi. Je sais pas, j'ai peut-être de l'autre côté, je sais pas. J'irai voir. J'y suis pas. Là, on a une vue de la ville haute et fantastique. Ils ont remis de l'eau dans un bassin, ce qu'on voit jamais dans les villes comme Perguet ou autre, parce que ce serait peut-être trop compliqué. Et là, ah ouais, on va voir comment c'était il y a 2200 ans. Alors, le Héroïon là, de Sagalassos, il est magnifique parce qu'il est entouré de héros. Et sur le document là, ils indiquent que le Héroïon a été construit en l'an 1. je sais pas si j'avais déjà vu un truc fabriqué en l'an 1. C'est trop drôle. Bon, là, je suis dans les coulisses du théâtre de Sagalassos et je pense que les acteurs se sont fâchés là. Il y a eu quelque chose, il y a eu dispute. Ah, il n'est pas grand, mais il est beau. Là-bas, c'est les... Les spectateurs qui se sont tordus de rire s'en sont parmi, je crois. Ah, c'est dommage que j'ai pas appris mon texte parce que je suis dans le théâtre, quoi. Seule fois où je révise pas, je suis niqué. En plus, j'avais appris en latin et en grec, ça me saoule, quoi. Juste oublié au dernier moment là. Déjà, petite fontaine d'aurique avec de l'eau. J'en ai marre de dire à chaque fois que c'est un des plus beaux sites antiques qu'on a vu quand on visite un truc. Parce qu'après, il faut que je refasse le classement tous les ans. C'est pénible. Quand même, non? On est bien là. Il y a du level. Ah bah, j'ai retrouvé mon texte. Purée, c'est trop tard. J'ai les boules. Va. Je ne... te hais point. J'ai le texte. Homer. Ouais, je sais, j'ai déjà filmé, mais je recommence. C'est trop beau. Il y a quand même le théâtre là-bas au fond, derrière la colonne.
et la porte d'entrée de l'Agora. Anne de Casa Trotter, j'ai plus de batterie là, mais je voulais quand même te dire que tu nous avais parlé de ça dans un message il y a super longtemps et franchement, tu t'étais pas planté. Saga la sauce le long de la montagne à la tombée de la nuit, c'est quand même quelque chose. Merci du conseil. Là on est le lendemain matin, on revisite Sagalassos. Alors c'est pas qu'on soit demeuré, on se souvient qu'on l'a visité hier soir, mais on voulait avoir une autre lumière, et puis un petit peu moins de monde. Donc le gardien nous a ouvert avant qu'on puisse prendre les tickets, on le prendra au retour. Et c'est vrai que on s'en lasse pas trop. Alors, Platane d'Orient d'Agachoun, 1200 ans quand même. 16 mètres de circonférence, 28 de haut. C'est pas l'arbre de Moïse, mais il est pas loin. Je viens de donner à manger à la mémère là.